Ouais, bonjour à tous. Merci. Déjà, c'était une arrivée incroyable. Il se passe tellement de choses dans ma tête que je pourrais pas tout vous décrire. Je suis hyper fatigué. Je suis content. J'ai tout donné jusqu'au dernier moment. Et voilà, je suis juste heureux d'être arrivé, d'avoir bouclé ce premier Vendée Globe, quoi. Salut Olivia, écoute, le premier bateau que j'ai vu, ça doit être le bateau de mes partenaires, il me semble, qui est arrivé sur le Donzi là, et avec mon frère qui pilotait. Et donc voilà, c'était assez incroyable, quoi. Donc de voir autant de gens d'un coup, avec tout le monde en délire, voilà, c'était moment fort en émotion en tout cas, et puis d'avoir bouclé ça sur ce bateau qui m'a porté pendant tout ce temps, et avec la petite emblème de la Water Family, Flaggy à mes côtés, c'était vraiment voilà, un moment inoubliable, je pense, incroyable. C'est sûr que dormir, ça me ferait immensément plaisir, mais là je suis une bonne dose d'adrénaline, donc j'arriverai pas à dormir, et je suis avec trois personnes de l'équipe là, Thomas, Mathéo et Charles à bord du bateau. Donc voilà, ça discute, ça refait le monde, c'est vraiment chouette de les retrouver. Et ils ont pensé à moi, ils ont fait livraison Pedro Pizza, et ils m'ont ramené une bonne grosse pizza. Et ça, ça m'a fait énormément plaisir. Mais je crois que ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas de manger ou de dormir, c'est de revoir, c'est de les revoir. Et puis voilà, qu'ensemble, on se félicite d'avoir bouclé ce tour du monde. Ouais, Flaggy, c'est mission super réussie parce que grâce à Flaggy, la Water Family a pu intervenir dans une centaine d'écoles. On a fait énormément de visio dans les classes, et donc je pense que c'est une réussite. En tout cas, tout le monde a l'air super heureux. Moi, j'ai pas encore vu tous les chiffres, mais déjà, voilà, 95 ou 100 classes, je crois, c'est énorme. Donc Flaggy aura aussi rempli son boulot, et maintenant il demande qu'une chose, c'est de retourner sur son glacier à Chamonix, voilà. Retrouver l'état solide. Moi, Jean, je trouve que c'est indescriptible ce qu'il a fait. Il a encore fait une course incroyable. Il a montré à tout le monde, voilà, faire taire plein de gens. Et voilà, il fait ça avec la manière. Je trouve que c'est assez dingue. Et j'espère. En fait, je ne sais pas, il arrive à m'amener un truc. Il me dit que finalement la voile, je vais pouvoir faire des tours du monde et en faire plein encore. À son âge, faire un tour du monde et de finir encore aussi bien et d'avoir autant la niaque. En fait, moi je l'appelle l'enfant, quoi. J'ai l'impression qu'il est toujours comme un enfant, qui donne tout ce qu'il a et qui s'éclate surtout. Et je pense que c'est le principal dans ce boulot, quoi. Écoute, mon bateau, papy va très bien. Voilà, écoute, j'avais quelques épées de Damoclès sur la tête, principalement voilà, pour l'énergie à bord, mais voilà, je suis arrivé, donc maintenant c'est super chouette. Et voilà, il a pu m'apporter toute son expérience pour boucler ce tour du monde, donc c'est absolument incroyable. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de dingue aussi qui a fait un boulot monstrueux sur ce bateau. Et voilà, qui m'a permis en tout cas de faire ce tour du monde. Il y a eu pas mal de casses, je peux pas tout vous énumérer parce que il y a énormément de casses au quotidien, et voilà, mais en tout cas le bateau est ici en un seul morceau, et ça c'est super cool. Il y a une complicité de dingue qui se crée avec un bateau, quoi. C'est vraiment notre compagnon de route. Pendant le moment où on dort, c'est lui qui tient la barre tout seul. Pendant les moments où de bonheur, c'est lui qui nous transporte. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de complicité, quoi. Merci beaucoup, salut à tous, et de me soutenir, c'est vraiment incroyable. Merci, à bientôt.